commencer, je voulais poser une question. Est-ce qu'il y aurait un Herménégilde dans la salle? Parce que c'est un nom qui vient un peu fucker ma théorie. Parce que moi, j'ai une théorie qui dit que tu peux savoir bien des choses sur une personne juste avec son prénom. Quelqu'un qui s'appellerait Frédéric Alexandre. Tu sais que il est très chier. Tu sais qu'une femme est grand-mère ou arrière-grand-mère quand ça porte le nom d'une couleur. Blanche, rose, violette, kaki. Un enfant qui s'appelle Steve, Kevin ou Nancy. Tu sais que ses parents parlent pas anglais. Tu sais, il y a des noms qu'on n'associera jamais à un enfant. Tu sais, mettons Rocher. Moi, si on me dit Roger, j'imagine pas un gars en bas de 50 ans. Tu sais, mettons, quelqu'un commence une phrase en disant « Je suis allé voir Roger hier. » Tu sais, tu penses pas que ça va finir par « Pis il est assez cute avec ses petits pieds, là. Le petit Roger. » Je m'imagine pas faire des proutes à la bédaine d'un Roger. Un gars qui s'appelle Gino. Gino, c'est un nom qui vient avec du poêle. Ingrid, ça vient avec des yeux bleus. Fernande, ça vient avec du sucre à graines. Puis René Charles, ça vient avec un esti d'héritage. Ah! Ça, c'est sûr. Il y a des noms qui inspirent confiance. Tu sais, mettons, une Marie fait du porte-à-porte, tu y achètes une barre de chocolat. Maurice, tu y achètes un portefeuille en cuir, puis tu fermes ta gueule. C'est tellement important, un prénom, là, que le prénom d'une fille va changer l'image que tu te fais de la fille. La fille qui s'appelle Natacha. Hé, cochonne! Ah! Je m'excuse pour celle qui s'appelle Natacha, mais dans l'imaginaire des hommes, vous êtes supposé être cochonne. On n'a jamais entendu parler de Sainte Natacha, là. Même là, juste dire Sainte Natacha me semble excitant. Là, juste dire, regarde. Si Fernande, ça vient avec du sucre à crème, Natacha, ça vient souvent avec ben du monde. Georgette, mettons. Moi, il me vient pas d'image cochonne avec Georgette. Même je suis certain que le mari de Georgette, il a trompe avec Natacha. Moi, dans le fond, la seule chose que je demanderais à une fille qui doit partager ma vie, ça serait de pas porter le même prénom que ma mère. C'est tout. Moi, ma mère, elle s'appelle Ginette. J'ai rien contre ce nom-là, c'est un beau nom, c'est juste que je suis juste pas capable de m'imaginer. Ah, Ginette. Ah, Ginette. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, Ginette, c'est bon, on va t'en prendre un autre point. Ah! Moi, c'est le plus loin que je peux aller. Une autre affaire que je comprendrai jamais, c'est les gens qui vont donner à leur enfant un nom de ville. Madonna, qui a appelé sa fille Lourdes en l'honneur de la ville de Lourdes. Ma blonde, elle, elle trouve ça super romantique. Voyons, pense-y comme faux, là. C'est comme si tu appelais ta fille Rimouski. Ou Chibougamo. Ah, ben là, franchement, c'est pas une fête. Chibougamo, c'est bien plus un nom de gars.
ding 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 bam 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 bam. That's all, folks.